Salut Lustig, c'est Vanexu et bienvenue dans Impassionné Musique Découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petits règles que je m'impose sur la série vidéo: on pose pas pendant les morceaux, vous commencez à connaître les bails pour bien garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et on balaye tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, on peut s'en parler de death metal, des trucs plus ou moins extrêmes, plus ou moins fous, plus ou moins underground, donc n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudriez que je réagisse, même s'ils sont assez peu connus. Aujourd'hui on attaque un morceau de Primero, donc Primero c'est un des trois rappeurs de l'ordre du commun, qui vient de sortir un projet solo, il vient de sortir enfin il y a quelques mois, donc j'aime bien son style, il a un côté un peu, il a une écriture que j'apprécie beaucoup, donc je vais aller écouter ça, ça m'a pas été suggéré, c'est juste que je l'ai vu passer, donc je me suis dit je vais faire un petit kiff. J'avais fait une vidéo sur l'ordre du commun d'ailleurs quand ils ont sorti Négatif, je connaissais que de nom à l'époque, et j'avais déjà entendu en fait, je me rendais pas compte, et j'aime beaucoup en fait l'approche des trois rappeurs dans le groupe. Curieux de voir ce que Primero nous réserve avec ce morceau appelé Track. Allez, c'est parti. Déjà l'esthétique du clip est cool. Un peu old school, tu vois, genre filtre cathodique, tu vois. On va en aller lyrics. Derrière mes yeux c'est la tempête, moi qui pensais que rien ne pourrait m'envahir. Fallait que j'approche de la trentaine pour voir qu'un mental en béton ça s'entraîne. Je suis issu d'une famille catholique où personne ne dit les grâces avant le dîner. Les sermons chaque fin du mois m'ont appris à couper les interrupteurs et les robinets. Pour faire taire les idées pas nettes, certains préfèrent un antidote en canette. On ne fait plus trop confiance aux médecins depuis le décès du frangin de Janet. D'autres s'en remettent à Dieu, mais croire qu'il arrangera tout c'est mal le connaître. Y'a du monde qui m'attend sur l'avant de scène, c'est pas le moment de perdre les manettes. Et si je reste le nez en l'air en laissant tous les projecteurs me cramer les iris, c'est que quand j'ai les yeux brûlés, il n'y a plus que le bruit des gens dans la salle qui me dirige. J'ai besoin de ça pour me sentir aussi léger qu'après des cachets d'aspirine. J'aime bien son écriture. Mon cerveau ne serve qu'à demander conseil à Siri. Plus la peine de s'alarmer. Tant que mes chansons m'assurent 4 chiffres de salaire net. Mais ce qui manque plus que le bonheur, et vu que les hommes l'ont juste sous leur nez, je devrais pas tarder à tomber sur leur main. J'aime bien le morceau. J'ai le même track au premier concert. Il glisse sur la prod, il fait ce qu'il veut. Commence tous les soirs. Même si très le intéressant. Docteur a des conseils. J'aime bien ce qu'il dit à un moment aussi. Il se contente de peu, tu vois. Les coups de pied au cul, ça fait vite mal. Mais ça pourrait faire doubler mon palmarès. Lundi matin, tout le monde ressemble à Hitman. Vendredi soir, tout le monde ressemble à Polnareff. C'est le soleil qui dicte le rythme. Mais moi, j'écris mieux quand le monde est à l'arrêt. Je sors faire de l'argent, puis j'oublie d'en profiter. Comme si cette vie n'était pas la vraie. Mon métier, c'est faire semblant de parler des autres pour parler de moi-même. Un jour la joie, un jour les soucis. Ça dépend dans quel sens sont mes sourcils. J'ai appris à quitter la fête avant que mes anges gardiens ne me ramènent. C'est mauvais pour moi de faire la course quand les barrières ressemblent à des raccourcis. L'instru est folle et je trouve qu'elle match bien son style et il glisse dessus, c'est trop simple quoi. Wesh. Il voit son poisson partout quoi. Les Illuminati ça. Et là son poisson rouge il n'est plus là. D'ailleurs c'est pas un poisson rouge. Peine de s'alarmer. Tant que mes chansons m'assurent 4 chiffres de salaire net. Mais c'est j'aime bien le bonheur. Et vu que les hommes l'ont juste sous leur nez, je devrais pas tarder à tomber sur leur main. J'ai le même trac au premier concert. C'est lui qui est devenu le poisson. Mais je recommence tous les soirs. On l'observe. Même si le docteur a des conseils. C'est tellement vécu
c'est que tu me pieds dessus et tout s'en va. Voilà, la prod est folle, le clip est fou. Très 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 bien réalisé. Très cool. Ah oui, c'est parce qu'après il lance un live session, donc il fait la transition sur son live session. Très 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 cool. C'était Primero avec Track. J'ai vraiment apprécié à la fois la direction artistique du clip, a été très intéressante. Comme d'hab, il a une prod qui est folle. Il glisse sur la prod tranquille comme il sait le faire, même avec l'ODC. Et je trouve qu'il a, il a ce truc un peu, cette composition, cette façon d'écrire ses textes qui est assez folle. Et je trouve que c'est trop facile et le morceau il passe trop bien. J'aime bien ce qu'il dit à un moment, il y a une phrase qui est très intéressante. Il dit plus la peine de s'alarmer depuis que mes chansons me rapportent 4 chiffres, un salaire de 4 chiffres net. Là où certains rappeurs chercheraient, tu vois, les 6 chiffres, les 7 chiffres. Mais je dis, moi je m'alarme pas, tu vois. Tant que à la fin du mois, j'ai 4 chiffres net, bah ça, 4 chiffres c'est entre 1000 et 9999, tu vois. Et du moment où il se dit, voilà, avec ces chansons, ça suffit pour avoir un niveau de vie correct et pas. Pas se dire putain à la fin du mois j'ai 200 balles, enfin je vais gagner 200 balles dans le mois, je sais pas combien je vais faire le mois. Au moins il se dit je suis ok, tu vois, même s'il gagne 1003, 1004, il se dit ok, je suis ok, je peux vivre tranquille, je peux manger, j'ai un toit, tu vois, c'est ok. Et j'aime bien ce côté là un peu rester simple, se contenter de peu, mais il dit tu vois ce qui lui manque c'est le bonheur, tu vois. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le morceau, je trouve extraordinaire. La force à Primero, hein, il mérite, hein, c'est un super artiste. Donc n'hésitez pas à le suivre sur tous les réseaux sociaux encore une fois et big up à lui et big up à l'Ordre du Commun, je trouve qu'ils font un beau parcours, une belle carrière. Et donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao les hosties.